Salut, salut. Donc même pendant les vacances, je fais une petite après-midi boulot. Donc avant de partir, j'ai reçu mes sondes de température. Jeudi, il y a 2 semaines, je t'avais parlé des futures sondes de température que je mettrais sur le Servo GX. Et pour tous ceux qui me suivent, vous m'avez jamais vu tirer de câble. Comme je vous ai dit, je vais en mettre un dans la cabine, un en dessous pour avoir la température extérieure, un dans la zone de vie ici et une dans le local technique. Ça, c'est le minimum que je veux mettre. Et j'ai tiré aucun câble. C'est parce que j'en ai trouvé qui fonctionnent en Bluetooth et qui peuvent se connecter sur le Servo GX. Donc, c'est la marque Ruby. Donc, ils font plusieurs modèles. Ils font le Pro. Donc, là, c'est un 2 en 1. Donc, il fait température, mouvement et son étanche. Ou alors le 3 en 1, température, humidité. Et mouvement. Et il y a les autres, c'est des 4 en 1, température, humidité, la pression de l'air et mouvement. Donc mouvement, c'est en fait détecteur de mouvement. À chaque fois que vous le déplacez, votre téléphone sonne. Donc ça, c'est uniquement valable avec l'application Bluetooth, pas avec le Servo GX. Donc dans mon cas, j'ai pris 3 normales. Donc ça, c'est pour à l'intérieur, la cabine, l'habitacle et le frigo, parce que j'en ai aussi mis un dans le frigo. Et le Pro, vu qu'il est étanche, je vais le mettre en bas dehors sous le châssis, même si la marque me déconseille un peu de le mettre sous un véhicule à cause de vraiment des projections d'eau et tout ça, ça risque, et des variations de température, ça risque de condenser à l'intérieur. Donc j'ai quand même décidé de prendre le risque de le mettre à l'extérieur. Je vais essayer de trouver un petit coin un peu abrité et on verra ce que ça donne. Donc là, je vais en déballer un et je vais te montrer comment je le paramètre sur le Servo. C'est franchement hyper simple. Donc quand tu l'ouvres, tu as juste une languette à tirer. Ça, c'est pour activer la pile. Et après, comment ils sont foutus? Tu vois, tu as juste un cache comme ça que tu viens fermer. Tu mets un bout de double face et tu le colles. Alors sur le téléphone, je peux pas te montrer puisque je suis en train de filmer avec, mais c'est une application. Tu télécharges l'application Ruby, tu le matches ensemble comme un peu tous les appareils. Je vais te reprendre sur le Servo et on va voir là-bas comment que ça se passe. Je te remonte juste en gros plan comment que c'est foutu. Pour changer la pile, voilà. Le cache est juste mis comme ça avec un joint tourique. Et le Pro, on va le déballer après, je te montre après. Tu vas dans Menu, Paramètres. Tout en bas, tu as I/O, capteur Bluetooth. Donc là, j'en ai déjà un dans le frigo et un dans la cabine. Et là, il m'en a détecté un nouveau, tu vois. Ici. C'est actuellement celui-là, là. Donc tu vois, je l'ai déballé, j'ai enlevé la languette et il est détecté. Là, je l'active. Voilà, donc une fois activé, tu vas dans Menu. Sur la première page du menu, tu vois. Donc ça, c'est la sonde filaire que j'ai actuellement branchée au Servo GX. Elle a été fournie avec le Multiplus. Moi, j'en ai pas besoin. D'origine, ça se met sur une batterie quand tu utilises une batterie au plomb. Donc celle-là, je l'ai mis dans le local technique. Ça, c'est la première sans fil comme ça que j'ai mis dans le frigo. Donc 12 degrés. Bon, elle est située tout en haut du frigo. Ça ne représente pas exactement la température qu'il fait dans le frigo. J'aurais dû la mettre plus bas et pas juste devant la porte. Dans la cabine actuellement 51 degrés. Tu vois aussi le pourcentage d'humidité. Et là, la nouvelle que je viens de mettre, c'est celle-là. Donc 30 degrés, 44% d'humidité. Donc je vais juste la renommer. Donc je vais mettre numéro 4. Numéro 4. Donc 30 degrés, 44. Là, tu as la pression hectopascale. Capteur de batterie. Configuration. Pareil. Là, non. Donc je vais mettre 04 habitacle. Voilà, donc là je l'ai renommé. Ok. Voilà, ça me permet, je mets toujours un numéro 01, 02, 03, 04, c'est pour les avoir juste dans l'ordre. Voilà, donc c'est ok. Donc ici, j'ai accès dans le menu. Évidemment, puisque c'est connecté au Servo, je te montre à l'ordi, je l'ai aussi accès avec le VRM. Donc j'ouvre l'application Victron Connect, VRM,
J'ouvre ça. Portail en ligne BRM. Voilà, donc là tu peux voir la page. Local technique 34 degrés, frigo 12,1, cabine 51, habitat 29,7. Donc à distance, je peux suivre mes températures. On va tout de suite paramétrer le pro. Donc il y a les vis pour le fixer. Bon, le pro, pour l'ouvrir, c'est un peu différemment. Il faut tourner ça un quart de tour. Et avant de le remettre sous la pluie ou dans l'eau, il faut attendre que le joint fasse l'étanchéité. Il faut attendre, je crois, 24 heures. Lisez bien la doc. Faut pas ouvrir, fermer et directement le plonger dans l'eau ou le mettre dans l'humidité. Voilà à quoi ça ressemble, le pro. Donc l'appareil, menu, paramètres, IO, capteur Bluetooth, il me l'a détecté, je l'active, je vais dans le menu, il est là. Nom du produit, je vais mettre 0,5 extérieur, ok, tout est bon. Donc là, tu peux voir, il me donne pas l'humidité, c'est normal parce que c'est le 2 en 1 que j'ai pris. Il fait juste température et détecteur de mouvement. Bon, détecteur de mouvement, on peut pas mettre parce que sinon à chaque fois qu'on va rouler, l'application Bluetooth, elle va sonner. Et là, pareil, sur le portail BRM. Il est venu, il n'a juste pas été renommé. Voilà, extérieur 29,5. Et regarde, je te montre autre chose, ce qui est pas mal, c'est qu'il donne le mini et le maximum sur les 24 dernières heures. Donc ça permet de voir, tu as le frigo des dernières 24 heures, mini 6,9, parce que je l'ai au milieu du réglage, et maxi 12,1. Donc tu vois, ça permet de voir si vraiment tu as un bug, tu vois que dans les dernières 24 heures, le frigo il est monté à 30, ben voilà, tu sais qu'il y aura un problème. Voilà, je vous mets encore une capture d'écran de l'application Bluetooth pour vous montrer comment que c'est foutu. Là, il y a carrément des graphiques, tu peux suivre voilà, la variation de température sur une plage de durée plus longue. Et donc là, j'ai accès en ligne partout, c'est grâce au Cerbo GX, mais si tu n'as pas de Cerbo, tu peux utiliser un autre relais Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi. Donc c'est ça. Si tu es connecté là-dessus, voilà. Tu as aussi accès partout en ligne. Voilà, là tu vois. Et c'est ça l'avantage du Cerbo, c'est que tout ce que je branche dessus, je peux avoir accès à distance. Et mes sondes d'eau, ça sera pareil. Les eaux propres, les eaux grises. Donc là, j'ai déjà ma sonde de température. Mes sondes de température, c'est déjà pas mal. Là, on est jeudi. Donc ça fait, on est parti depuis lundi. En moyenne, quand il y a du soleil dans la cabine, il fait 20-25 degrés de plus que dans l'habitacle. C'est franchement choquant. Là, vous pouvez voir, dans la cabine, il fait 52 degrés. Derrière, dans le local technique, j'ai 34. Donc voilà, petite vidéo rapide, vraiment à l'arrache. On va profiter un peu des coins alentours. Et à plus, ciao ciao!